Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle. Comment ça va? Moi je vais super bien. Et la dernière fois j'avais un poil rich kid quand même. Ah ouais, petit flashback pour ceux qui sauraient pas. Non va chier, vous verrez jamais cette vidéo, c'est bon. Allez, voilà, ça c'est fait. Et donc du coup, le jeu il a eu la bonne idée de me donner une autosave que je n'avais pas vue. Et d'ailleurs bah, j'en profite pour vous le montrer tout de suite. Ah voilà, j'ai plein de saves en plus, c'est normal. C'est parce que j'ai fini le jeu hors caméra pour savoir ce que je dois faire sans tout le temps regarder une solution. Alors oui, je l'ai fini sans solution. Ça m'a pris 4 heures de temps pour me rappeler des énigmes et de tout le bordel. Parce que je vous rappelle que la dernière fois que j'ai fini ce jeu, ça devait être en 1996 à peu près. Donc du coup, ouais, ça fait quelques années quand même. Donc maintenant, bah, je sais ce qu'il faut faire, donc on va le faire. Oui, oui, reviens ici, Jones, un jour peut-être. Donc du coup, j'ai découvert qu'il y avait un canal ici. Que j'avais pas vu la dernière fois. Alors, il y a deux ou trois trucs que vous avez pas vu quand même. J'ai 6 perles, ok. C'est que, bon, bah, le crabe radeau, normalement, était là, il était bloqué. J'ai dû lui mettre une perle dans la bouche. C'est la seule chose que vous avez pas vu, je dirais. Ensuite, ça aussi, ça m'a pris 10 ans pour m'en rappeler. Il fallait utiliser les pierres terrestres avec l'axe. Tac, mais il faut utiliser la bonne pierre terrestre. C'est-à-dire, je crois, la pierre solaire pour celui-là. Ah là, ensuite on peut avancer. Et je vous rassure, oui, ce passage est effectivement aussi lent que ça. Hein? Ah oui, puis vous avez manqué aussi une petite énigme où vous voyez où j'ai plus mon crabe là, avec coincé dans une cage thoracique. C'était parce que je vais le donner à une pieuvre à l'entrée de ce canal. Et c'est à peu près tout. Alors, utilisez la pierre lunaire avec l'axe, voilà. J'espère juste que vous n'avez pas le vent du ventilo dans le micro, parce que ça, je sais que c'est chiant. Parce que oui, je peux pas faire sans ventilo, là, le... Non, fait trop chaud, désolé. Vas-y, tu peux descendre. Ensuite, il faut que j'aille dans cette porte. Ah ouais, j'ai fini tout ça il y a 2 minutes, hein. Là, je fais une vidéo juste après ça. Ensuite, il faut que je... prenne la pièce en forme de croissant, que je ferme le placard, voilà. Non, que je regarde le placard. Alors, normalement, ça donne la solution pour l'énigme qui va venir. Mais alors, comme j'ai absolument rien pigé à cette énigme, bah, j'y suis allé au pif. Et au final, bah, ça a fini par marcher. Hein. J'ai toujours fait comme ça, d'ailleurs, dans ce jeu. Je sais que c'est pas normalement comme ça qu'on le fait, mais moi, j'ai toujours fait comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Hop, tu montes sur le radeau, on flotte vers la grille, on utilise... attends, ça va me dire, c'est fermé, voilà. Utiliser la pierre terrestre avec l'axe. Et au final, on peut aller jusque à l'arche, voilà. Ah oui, puis ça sert absolument à rien de regarder l'état d'ossement, hein. C'est totalement inutile. D'ailleurs, il y a quand même des mecs qui sont arrivés jusque là, puis qui sont probablement morts ici, quoi. C'est un tas d'ossements. Non! Peut-être des os d'animaux. Ces os ne ressemblent pas à ceux d'un animal. Ces os sont bizarrement tordus. Si ces os appartenaient à un être humain, il était malade. Il y a des ébauches de cornes sur certains crânes. Il n'était peut-être pas humain, mais autre chose. Quelle créature démoniaque pouvait bien avoir un squelette pareil? Voilà. Ça, bah, je l'avais pour lui. Hein, perso, je me suis pas intéressé aux ossements la première fois. Alors, utiliser l'échelle avec la sentinelle. Voilà. Ensuite, utiliser la chaîne avec la boucle en bronze, et ça va pas marcher du premier coup, je vous rassure. Ah non, attendez, utiliser la chaîne avec le bras. Non, merde. Bon, bah, d'abord il faut bousiller une perle d'oricalque. Alors, regardez. Merde, mais ouvrir. Voilà, regardez. Et j'ai oublié de reprendre la pièce, putain, fait chier. Bon, vous savez quoi, j'ai découvert un truc, hein, c'est qu'on pouvait accélérer le jeu sous Scum, ce que je vais faire, parce que ça va me prendre 10 ans sinon de faire tout le chemin de retour. Donc voilà, j'accélère un peu, hein, c'est pas de la triche, hein, c'est juste parce que bah, je pourrais le faire en vitesse normale, mais ça sert à rien. Ouais, vas-y. Hop, tac. Ensuite, on va vers le hall. On va vers le hall une fois de plus. Ah oui, j'ai trouvé comment échapper aux nazis sans me faire buter, hein. C'est juste moi qui étais con la dernière fois. Voilà, il suffit de... Oups, mauvaise rencontre. Et blablabla. Voilà, salle de la machine, c'est ici. Mais d'abord, je vais me remettre un godet de lave. Et oui, un godet de lave. Salle de la lave, voilà. Utiliser
le pédestal avec la coupe vide. Voilà, et utiliser, tac. Bon, ça accélère tout, c'est cool, hein. Merde, c'est pas là que je voulais aller. Bon, ça mélange un petit peu la musique, parce que la musique, elle reste à vitesse normale, par contre. Je fiche pas trop, ça, mais ok. Alors, on va se remettre des perles, parce que sinon, j'en ai pas assez. Merci beaucoup. Prendre les perles dans la soucoupe. Voilà. Et j'ai 26 perles. Bon, c'est largement suffisant. Voilà, vous voyez, la musique, elle pète un petit peu un plomb, mais bon. Oups, mauvaise rencontre. Ah merde, je bats tout d'un saut, il fallait que je reprenne le... Fallait que je reprenne ça, prendre la roue, tac. Ah merde! J'ai cliqué un peu à côté, excusez-moi. Ouais, ouais, oups, mauvaise rencontre. Et ça marche à chaque fois. Ils ont quand même pensé à ceux qui n'arrivaient pas à maîtriser le système de combat, là, bizarre. Voilà, maintenant, je peux aller résoudre l'énigme de la statue. Vous en faites pas, je vais libérer Sophia, hein, parce que j'ai toujours fini le jeu avec Sophia. Et j'ai pas intention de le finir d'une autre manière, il y a plein de fins différentes, mais... Eh ben, si vous voulez les voir vous-même, bah, jouez au jeu, hein. En plus, maintenant, il est pas cher du tout, il est trouvable sur Good Old Games. Ouais, et je me souviens plus du tout ce que c'est la solution. Je crois que c'est ça. Ah, attendez. D'abord ça. Hop, ça. Ensuite, comme ça, sauf erreur de ma part. Bon, de toute façon, je vais tous les essayer. Hein, puis, bah, ça marche, ça marche. Alors, attendez. Utiliser la chaîne avec le bras. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà! Et ensuite, on met juste celui-là en dessous. On remet le jeu à vitesse normale. Contrôle F, tac. Mais oui, je vous remets quand même le jeu à vitesse normale parce que c'est pas très 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 sympa à regarder sinon. Voilà. Et ensuite, bah, je peux récupérer tous les objets, ce que je fais à chaque fois parce que je suis jamais très sûr. Hein. Tac. On prend la charnière qui est par terre. Alors oui, ça, il fallait pas le louper. Je sais pas comment j'ai fait pour deviner ça quand j'étais gosse. Je voulais absolument sauver Sophia, je pense. Et on va se remettre en vitesse rapide, hein, pour rejoindre Sophia, au moins. Voilà, non, c'est bon, c'est pas encore là. Et parce que vous imaginez bien le temps que ça prend en vitesse réelle. Hein. Bon, à l'époque, on n'avait pas le choix de se le faire à vitesse réelle, de toute façon. Donc, tac, marcher vers la cage, contrôle F. On donne la charnière à Sophia. Que dois-je faire avec ce truc-là? Nous trouvons peut-être une idée. Voilà, maintenant j'ouvre la cage. Qu'est-ce qu'il devait penser que c'est plus sûr maintenant? J'ai un plan. C'est quoi ton plan? Coince la porte avec la charnière. Qui sait, ça marchera peut-être. J'aurais pu aussi te laisser pourrir ici, hein. Chose que j'ai jamais fait. Voilà. J'ai envie de te gifler. Allez, Sophia, ne te fâche pas. Moi, fâché? Enfin, l'inverse, mais bon. Tu m'as laissé pourrir dans ce trou. Tu m'as laissé moisir dans ce trou pourri. Bah, si c'est comme ça, tu devrais y rester. C'est ce que je vais faire. Bonne idée. Très bien. Ok. Ah, si c'est pas mignon. Elle lève même le pied. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Je crois que Nurapsal m'a forcé. Vraiment. Et une deuxième fois en plus. Il est dangereux ce monsieur Sal. Oui. Bon. On ferait mieux d'y aller. Vous savez, ils nous ont fait les remakes HD de Monkey Island 2 et Monkey Island 1. Pourquoi ils n'ont pas fait de remake HD de ce jeu? J'y jouerais tellement fort à ce jeu s'il était en remake HD. Prendre la charnière, voilà. On y va, Sophia. Let's go. Cette fois, j'ai assez de perles de recalque. Vous allez voir, c'est assez rapide hein, de finir le jeu. Bon, ça prendra une vidéo d'un peu plus de 20 minutes, mais maintenant que je sais ce que je dois faire, c'est très très rapide. C'est toujours comme ça hein, qui faisait durer ces jeux. Quand tu savais pas ce que tu devais faire, et bah forcément. Vous voyez le reflet du chat dans le miroir derrière, si ça vous intéresse. Allez, hop, contrôle F, on va plus vite avec le crabe radeau là. Non mais. Flotter vers la porte, attends. Voilà, flotter vers la grille ouverte, merci. Oui, je fais passer en avance rapide parce que sinon ça prend des plombes.
Ah oui, il ne faut pas passer la porte sans Sophia, hein, la porte qui a été ouverte avec le robot, parce que sinon on ne peut plus la sauver, je vous jure. C'est vraiment sur des petites erreurs comme ça qu'on vous pénalise. Sympa, hein. Indy, Nurapsal est ici. Je sens sa présence. Attends une minute. Où est-il exactement? Oui, moi j'ai décidé d'y croire, hein, Nurapsal. Là derrière, j'en suis sûr. Montre-moi. Très bien. Prépare-toi et suis-moi. Oh, nom de nom! T'as dit que t'y croyais, pourquoi tu t'énerves? Là-dedans, Indy. Ouh, Indy, il avait des yeux chelous, là, hein. Des yeux tout jaunes. Ah, Dr. Jones. Bienvenue dans mon humble demeure. Oui, je vais éviter de hurler, hein, quand même s'il hurle. Ah oui, alors, je vais vous passer les dialogues chiants, hein. En gros, Sophia est possédée, et voilà. Ah, donc il faut la déposséder, et heureusement, je sais comment faire. Ça m'a aussi pris des plombes pour trouver comment faire, parce que je voulais toujours pas la laisser. Je suis désolé, mais dans tout Indiana Jones, il finit avec la fille. Il laisse pas tomber ses coéquipiers. Les autres fins, pour moi, c'est de la merde. Prendre le sceptre, hop, tac. Viens ici, Sophia, j'ai besoin que tu sois près de la lave. Ah, maintenant, je sais pas si je dois faire les dialogues ou pas. Regardez, Sophia. Tu permets que je regarde ton collier? Voilà. Utiliser Oricalque dans la bouche. Ah! Ah ouf! Le médaillon est brûlant! Lâche-le alors! Nurapsal m'en empêche! Ok, maintenant il faut utiliser la boîte ouverte avec le collier. Non! Désolé, Sophia. Adieu, Nurapsal. Ça avait quand même des jolis effets, hein, je trouve. Merci, Indy. Sans toi, je serais morte comme ce monstre. Voilà. Et maintenant, bah, y a plus qu'à y aller. Oui, parce que moi, je suis passé toutes les scènes de dialogue chiantes pour comprendre ce qui arrivait à Sophia. Mais en gros, tout ce qu'elle dit, c'est que ma race sera éteinte d'ici peu et qu'il fallait que je me dépêche de lui parler. Parce que de toute façon, elle n'allait pas bouger d'ici et puis que c'était sa demeure. Voilà. Fascinant. Ouais. Moche. Ce que je dis, moi, moche. Ah oui. Vous voyez ces espèces de petits graffitis là où on voit deux rochers avec une flèche vers le haut? Vous allez voir à quoi ça sert. Hein, faut bien noter l'emplacement de ces cailloux là. Alors c'est tout bête. Et puis il faut aussi noter ici. Hein. Donc là c'est au milieu et en bas, d'accord. La dernière fois c'était pas la même chose. Preuve que ça change à chaque fois quand même. D'ailleurs je vais faire une sauvegarde ici parce que quand même j'ai bien avancé et puis j'ai pas envie de reprendre plus loin. Nasband, voilà, tac. Les crabes, là, vous pourriez bouger votre cul, merci. Utilisez la charnière avec la fente de gauche. Utilisez la charnière avec la fente de droite. Et utilisez l'oricalque dans la bouche. Et, mais non, utilisez l'oricalque dans la bouche, ça, ça marche, je sais. Et poussez le levier de gauche. Et poussez le levier de droite. Et... on sauvegarde vite, comme ça je peux revoir de nouveau le truc si je l'oublie, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, vous le savez très bien. Hein. Alors, c'est au milieu, bah au milieu et en bas à droite, ok. Voilà. Voilà, donc. Voilà, alors, donc, au milieu, donc. Prendre, tac, utiliser la charnière avec la fente, et... pousser, pousser, voilà. Et si on fait pas ça, ça continue à l'infini, hein. Boum. Voilà, on croit qu'ils sont morts, et non, pas du tout. Ils ont sauté, ils sont pas idiots. C'était juste. Trop juste. Et ensuite, il suffit juste d'aller là. Même si c'est clairement pas indiqué, il suffit juste d'aller là. Voilà. Ne t'éloigne pas, ça pourrait être dangereux. Je cours le risque. Bon, alors le but, c'est d'arriver là. Comme vous vous en doutez, c'est un labyrinthe de portes. Et les labyrinthes de portes, vous savez à quel point j'adore ça. Labyrinthe tout court. C'est pour ça que je vais faire ceci.
Allez hop, accélération, et on se fait toutes les portes jusqu'à ce que je retrouve les bonnes. Ah là, là j'ai pas trouvé la bonne en l'occurrence. Tac. Ah bon, alors c'était celle-là. Ah là, ensuite celle-là, sauf erreur de ma part. Celle-là. Ah oui, puis il faut que je note ici, tiens, attendez. Eh ben, je vais faire une nouvelle sauvegarde parce qu'il faut que j'aille ça. Donc nouvelle sauvegarde, NASBand 3. Putain, je vois pas ce que c'est, hein, par contre. C'est le soleil, la lune, et puis... ouais, ok, d'accord. Ensuite, il faut que j'aille là. Et après, je sais plus, celle-là, je crois. Merde. Non, c'est pas ça. Ça. Et ensuite, j'ai plus qu'à monter ici. Voilà. Ensuite, je crois que c'est celle-là. Ah là, j'y suis arrivé. Ça m'a pas pris autant peu de temps la première fois, je vous rassure. Hein, précédent. Et ben, on sauvegarde sous NASBand, voilà. Alors vous voyez toutes mes autres sauvegardes là, je vais vous montrer vite. Hein, y a NV là qui est la sauvegarde de fin du jeu. SFZZ qui servait à savoir quel était le schéma ici. Puis bah celle-là justement qui sert à savoir quel est mon schéma. Voilà. Et reprendre. Et là il faut que je me remette en vitesse normale parce que sinon je n'arrive pas à passer cette merde. Ah oui, on peut mourir hein, dans ce jeu. C'est un point and click où on peut mourir. J'ai jamais trop compris ça, mais bon. Ok, d'accord. On revient en arrière parce que là, c'était pas... Ouh, putain. Il me dit... Ah oui, et curieusement, ça fait revenir les trucs aussi. Va savoir. Moi, je vais repasser par où j'étais passé la dernière fois en espérant que ça reste toujours la même chose. Hein. Ok, je vais essayer. Hein. De toute façon, j'ai sauvegardé. Enfin, je crois. Voilà. Oh, putain! Laissez-moi partir! C'est par où alors? Par en haut? Attendez. La dernière fois j'y suis arrivé, mais sans souci quoi. Je vous jure. Je vais essayer par en haut. Ok, c'est pas par en haut. Ok. Cette fois ça a passé. Va comprendre. Ok, c'est pas grave. Alors, tu viens? On se calme. Alors, vous allez vite comprendre pourquoi ça sert d'avoir de multiples sauvegardes dans ce jeu. Putain, elle est plutôt calme, hein, quand même, pour dire qu'elle est sur une rivière de lave. Bon, elle a pris exactement le même chemin que moi, puis pour elle, ça a été beaucoup plus simple, hein. Évidemment. Beau parcours. Merci. T'as failli mourir, mais beau parcours. Ah oui, il y a toutes ces espèces de lignes bleues par terre que je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est Scumve qui fait délirer le truc. La voilà, ta cité de lumière. Je ne m'attendais pas du tout à ça. L'endroit fonctionne encore. Maintenant, la pression d'air depuis des siècles, là. Super, donc... sauf erreur de ma part, il faut aller par là. Voilà, on rentre. Et là, il y a un axe que j'avais pas vu la dernière fois. Hein. Donc, utiliser, oui, la dernière fois quand j'ai joué tout seul. Tac, utiliser la pierre lunaire. Et dites-moi que j'ai quand même... Ah putain, j'ai eu peur de pas l'avoir. Hein. Voilà, je sauvegarde là. NASBand, hein, c'est bon. Commencez à le connaître. Chargé. NASBand 3. Voilà, donc c'était les montagnes en bas, la lune et le soleil à gauche. Ok. Les montagnes en bas, la lune et le soleil à gauche, d'accord. Alors, les montagnes en bas, la lune, je crois que c'est cette lune-là, et le soleil de midi. Non mais attends, laisse-moi finir avant de dire qu'il s'est rien passé. Toujours rien, hein. C'est celle-là. Attends. Je suis pas loin là. C'est ça? Bon, attendez. C'est pas entre deux? Si, quand même pas. Ah, si, c'était entre deux. Ils ont été salauds à ce point-là. Qu'as-tu fait, Indy? Je crois que j'ai déclenché quelque chose. Et sauver de nouveau, parce qu'il y a des dialogues qu'il faut pas louper. Et comme je les loupe à chaque fois, je préfère sauver. Voyez-vous, faut foyer, Kerner.
Bien dit que Jones nous serait utile. Kerner, je me disais que ça sentait le rat. J'adore son thème. Je ne sens que votre peur ici, Herr Jones. Ne poussez pas. Mein Gott, c'est merveilleux! Félicitations, Dr. Jones! Vous venez de donner au Troisième Reich l'arme de la victoire! Quelques bombes à l'oricalque ne vous suffiront pas, Huberman. Des pompes? Les dieux n'ont pas besoin de pompes! Regardez autour de vous! À quoi pensez-vous que cette machine servait vraiment? Au barbecue le dimanche? Faux! Comme Platon le savait si bien, c'était une fabrique d'êtres supérieurs. Pendant que vous arriviez jusqu'ici, nous avons stocké de l'oricalque. Et nous en avons maintenant plus qu'il n'en faut. Prêt à vivre le plus grand moment de l'histoire, docteur? Je m'en passerai, merci. Les découvertes scientifiques n'appartiennent qu'aux braves, Jones. C'est quelque chose que vous devriez comprendre. Croyez vraiment ces trucs de Dieu? Pourquoi pas? Quand je serai un Dieu, je saurai tout. Je verrai tout. Je régnerai sur tout. Nous régnerons tous les deux, Herr Doctor. Hein? Ne soyez pas stupide, Kerner. Vous n'êtes pas encore prêt, visiblement, Arsoya. Nous verrons. Avez-vous remarqué que les crânes ont des cornes? Des expériences ratées. Des esclaves insignifiants sacrifiés au nom de la science. Le progrès est à ce prix, vous savez. Peut-être était-il trop humain, comme vous. Des sous-humains, vous voulez dire. Ils furent détruits à cause de leur imperfection physique. En passant dans cette machine au pouvoir immense. Mais heureusement, nous ne souffrons pas de telles imperfections. Ah ah, envoyez-moi une carte postale de l'enfer. Un pas de plus. Et vous y serez en premier. Vous ne pouvez pas partir maintenant. L'expérience commence à peine. Je ne veux pas vous interrompre, hein. Et nous ne pouvons pas commencer sans syncopaille, n'est-ce pas? Glups. Je vous en prie, docteur, si vous voulez bien monter sur la plateforme. Nein! Was? Si quelqu'un ici doit être un dieu, ce sera moi. Faux! Ne me faites pas rire! Je suis le chef de cette opération, espèce de larve molle! Activez la machine. Ce n'est qu'un test. Platon suggérait 10 perles. Essayons! Attendez. Quoi encore, Jones? Oh, allez-y, une révision ne vous fera pas de mal. Vous avez l'air de trouver ça très drôle. Expliquez-moi pourquoi. Mettez 10 perles pour avoir de grandes cornes. C'était juste une idée, comme ça. Il a peut-être raison. Nous devrions diviser par 10. Essayez une perle. Notition, une perle. Mais il se fait quand même comme ça avec les cheveux, hein, parce qu'on est beau gosse ou on l'est pas. Email, ça marche! No! Je sais pas pourquoi ils ont pas mis nine, vu qu'il est pas anglais, mais bon. Une petite perle pour un petit homme, n'est-ce pas, Jones? Maintenant, à votre tour. N'y comptez pas, vieux fou. Avancez. Bon, je vais quand même se regarder parce que la dernière fois j'avais fait les mauvais choix, hein, puis j'ai pas envie que ça se reproduise.
À moins que mes cartes ne s'en chargent. C'est mieux. Vous croyez être supérieur aux dieux ? La science, mon garçon. Il n'a fait pas notre science. Allons-y. Attendez une minute. Reprenons tout depuis le début. Bon, je vais arrêter avec l'accent allemand parce que c'est chiant à faire, hein, quand même. Nous n'avons pas le temps. Combien de perles, à votre avis ? Aucune perle, vieux cinglé. Allons, docteur. Et votre curiosité scientifique ? Et si l'erreur de Platon était dans l'autre sens ? Que voulez-vous dire ? Je crois que Platon et Kerner avaient tous les deux tort. Je sais pas du tout ce que c'est le dialogue, hein, donc... D'accord, Jones, vous décidez. Combien de perles devons-nous utiliser ? Pas de perles, oubliez cette obsession stupide. Vraiment, Dr. Jones. Ressaisissez-vous. J'espère pour vous que ça ne marchera pas. Pourquoi ? Quand je serai un dieu, je vous enverrai en enfer. Voilà, j'ai trouvé le bon dialogue. Je vous offre l'immortalité. Et c'est comme ça que vous me remerciez. Je déchaînerai ma colère divine contre vous. Un moment. Je n'ai peut-être pas bien réfléchi. Vous voulez passer le premier ? Vous complotez contre moi malgré ma générosité, mais vous ne mourrez pas aussi facilement. Poussez-vous, Jones. 98, enfin 99, 100 perles. Préparez-vous à subir ma colère. Ah ah ah. N'empêche, les effets étaient vachement bien quand même. Hein. Pour dire, pour 1992, ça c'est génial hein, quand même. Alors, à savoir que si Indy prend les 100 perles, ça fait la même chose, sauf que ça fait tomber le docteur dans la lave, et c'est exactement la même animation. Et on n'a pas la scène de fin. Mais c'est plutôt sympa. Aïe, Arg, Indy, suis-moi, Sophia. Bon, là-bas, ça se fait tout automatiquement, hein. Y a plus qu'à regarder la petite cinématique de fin. J'adore comment faire trembler l'écran à l'époque, c'était un bon moyen de simuler un tremblement de terre. Je trouve ça sympa. Ouf, ils ont eu de la chance. Puis en fait, les petits effets 3D, genre les plateformes qui se cassent la gueule et tout, moi je trouvais ça génial. Et ça l'est. Dépêche-toi. Putain, on est vite ressorti du labyrinthe, hein. Et voilà, on se casse. Je pensais qu'un jeu pareil dans les années d'aujourd'hui ce serait tout à base de QTE, t'en loupes un et tu recommences toute la séquence. Youpi! C'est pour ça que je préfère les vieux jeux. C'est pour ça que je fais quasiment que des vieux jeux sur ma chaîne. Hein. Bon, de temps en temps il y en aura des nouveaux quand même. Enfin, j'aime bien aussi les nouveaux jeux qui sortent, mais pas tous. Avec une jolie cinématique de fin. En fait. Mes découvertes semblent souvent invraisemblables. Même pour moi. Mais cette fois-ci, j'ai une preuve tangible. Mais peut-être que tu n'en as pas. Pourquoi tu fais ça ? Pour soulager ma douleur. Et voilà, générique de fin. Donc du coup, bah voilà, j'espère que ce petit playthrough de Indiana Jones and the Fate of Atlantis, un jeu qui est assez court finalement quand on sait ce qu'on fait, vous aura plu. Sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre la vidéo en favori, de la partager sur vos réseaux sociaux, et puis de regarder les liens dans la vidéo, tous les liens sont utiles d'ailleurs. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous laisser avec le générique de fin, avec cette jolie musique, et voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir, bye.
Je pense que je peux aller remplir mon truc de lave en fusion. Bon, je peux passer par là, tant mieux, hein. Ça m'évite de combattre le garde. Enfin, je crois, j'espère. Ou alors ils ont bouché le truc. Non, même pas. Elle est où la pièce de la lave? Ouais, il faut de nouveau que je fasse tout le tour, quoi. Reset le mec. Voilà, nickel. Bon, il n'y a pas de pièce de la lave dans le coin. Donc on va aller vers le haut là. Faut que j'aille récupérer de la lave pour faire je sais plus quoi ensuite.